Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de la carrière avec l'Olympique Lyonnais, c'est Kim Perio. On se retrouve aujourd'hui pour le match face à Strasbourg. Alors j'avais dit les deux matchs face à Strasbourg et Montpellier, mais exceptionnellement ce sera un épisode plus court avec un seul match. En contrepartie, on va se mettre en plus long résumé, voilà, pour pouvoir contrebalancer le fait qu'il n'y en ait qu'un seul. Donc voilà. Alors aujourd'hui, rien de nouveau, hein, ça fait juste trois jours hein, après le match face à l'Athletic Bilbao. J'ai décidé de faire tourner l'équipe. Hein, vous voyez Dubois, du Kalimuendo, du Disasi, Maffeo qui est de retour de suspension, Thiago Mendes, Keller, enfin bref, pas mal, beaucoup de remplaçants. Avec Akré au milieu qui est de retour. Donc on va faire une revue d'effectifs là finalement pour ce match-là. Je pense qu'on est suffisamment fort et en confiance pour que ça marche. Et puis ça permettra de maintenir aussi en forme les joueurs. Je trouve que c'est quand même important pour l'effectif et l'harmonie de l'effectif. Donc on est parti là-dessus. Voilà, sans plus attendre. Donc en espérant que ça passe, hein, Strasbourg qui nous avait posé énormément de problèmes hein, l'année dernière, on n'avait pas réussi à les battre en championnat. Ils avaient même sacrément amoché aussi en Coupe de France. Donc voilà, on est là pour. On a vraiment du sang à verser, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, on veut un gros match, on veut que ça se passe bien. Voilà, truc que c'est bon signe pour la suite. Là, ok, super, coup d'envoi, continuer, pause, pause. On va passer en long résumé, voilà, comme ça sera un petit peu plus long et ça contrebalancera le fait qu'il y ait un seul match. En espérant que ça se passe bien, hein, parce que évidemment, si on prend un 4-0, ou la blessure de Sidibé. Attention, attention. Attention pour Strasbourg, ça peut être un coup dur. Sabori, avec Thomasson. Sabori, Rodrigo Becao. Camara, long dégagement, ça arrive. Récupération d'Issa Fèvre. Boisdu qui va lancer, Vogel côté gauche, Hugo Vogel qui va se rentrer, Kalimuendo repris, Fèvre la tête, l'arrêt de Camara. Ok, Sidibé en retrait, récupération, Thiago Mendes. Le dégagement raté de Loukeba, attention, Diallo, hors jeu. Ah ouais, mais là, la relance dans l'axe, c'est une catastrophe intergalactique, plus jamais ça. Lovric, à Ajorc. Lovric pour Ajorc, Lovric le centre, la défense là, Thomas le dégagement, on va gueuler, on va dire les gars, concentrez-vous, on demande des plus, concentrez-vous parce que là c'est pas sérieux. Kalimuendo, longue balle vers Boisdu. Boisdu, excentré sur le côté gauche, il revient en retrait avec Vogel, Cacré qui remet sur Vogel, vers Cacré, le meilleur milieu de terrain, le gain, le centre, la tête de Boisdu au-dessus. Et ça serait une sortie de but, effectivement. Sabori, avec Ajorc, Sabori pour Lovric, côté gauche, attention, Lovric, Thomasson, Sabori, ça va sortir, de toute façon il y avoir hors-jeu, mais ça va sortir de toute façon en sortie de but. Maffeo, Fèvre, Kalimuendo, Maffeo, Fèvre qui remet à Kalimuendo qui trouve Maffeo côté droit, Pablo Maffeo, le centre en retrait vers Fèvre, contré Thomas côté Vogel, Fèvre, Mendes qui va remettre vers Fèvre, Thomas, Maffeo, excentré côté droit, le centre en retrait vers Titouan Thomas, le sait. Ça va être un corner qui va tirer Titouan Thomas. Il a tiré premier poteau. Dégagement de Diallo. Deuxième chance, Thomas. Dissassi. Vers Titouan Thomas. Il n'y a pas hors-jeu le centre. Deuxième poteau repris par Sissoko. Thiago Mendes, Cacré qui va lancer Vogel. Super Boisdu. Mais Boisdu. Oh là là. Tout le monde fait bien le travail sauf les attaquants. Thomas, deuxième corner. Dissassi la tête. Arrête Camara. C'est vrai que dans ce long résumé-là, on a plus d'occases. C'est quand même intéressant. Ça permet de mieux voir le jeu développé par l'équipe. Super Vogel. Mais ça continue. Prisic avec Sidibé, le centre, Ajorc, la tête au-dessus. Sidibé. Ajorc. Attention, Sidibé. Plata qui va centrer. Dégagement de Disasi. Kalimuendo.
pour un compte peut-être d'Issassi. Attention, Keller vers Vogel, superbe. Vogel qui va prendre son couloir. Non, il se fait reprendre. Il n'a pas fini avec Fèvre. Mendes, Thomas, longue ouverture. Maffeo, superbe. Maffeo, le centre, ça va être contré pour un corner. Que va tirer Titouan Thomas, deuxième poteau, Disasi, l'arrêt de Camara, je pense, puis Sissoko qui a dégagé, Vogel qui va mettre en retrait, Alou Keba qui a toujours la balle, Mendes, Alou Keba, Cacré, Boidu, Mendes, Titouan Thomas, Mendes, Fèvre, Cacré, ah, qui a essayé de lancer Boidu, mais ça va pas fonctionner, Disasi qui dégage, Prisic. Attention, récupération et ça bouge à Splata qui va mettre Sidibé sur orbite côté droit. Djibril Sidibé, le centre, deuxième poteau vers Lovric. Ça va être long, mais il va reprendre et remettre à Sabori qui va lui remettre. Il y a hors-jeu, non, m'a fait au bon tacle Diallo. Prisic, même si par derrière, c'est risqué. Sidibé. Sidibé, le centre, deuxième poteau, Lovric tout seul. Aïe, 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 attention les gars. C'est pas fini. Strasbourg, là encore à l'attaque. Diallo de la tête, l'arrêt de Keller. Ouais, les gars, on va demander un petit peu plus là. Prisic, ou Prik, je sais pas comment on prononce, Sissoko, avec Rodrigo Becao, Thomasson, Lovric, Ajorc, Sabori, vers Lovric, contré, Titouan Thomas, ouais, le contre là, pourquoi pas, Titouan Thomas, faut qu'il donne sa balle là, il l'a bien donné vers Kalimuendo, ouais, Kalimuendo, qui ne va pas pouvoir la mettre au fond. Ça va donc être un corner que va tirer Titouan Thomas. Pourquoi avoir marqué ce coup de pied arrêté? Deuxième poteau, c'est dégagé. Vogel, la frappe, l'arrêt de Camara. Ouais, mais c'est pas possible, mec. C'est Oliver Kahn. Incroyable. Titouan Thomas, encore un corner. Ça s'est capté par le gardien strasbourgeois. Carton jaune pour Loukeba. On a une charnière centrale avertie, ça c'est super. Disasi avec Maffeo. Ou la perte de balle de Pablo Maffeo, Thomasson, ça va être repris par Disasi, Maffeo, attention, Pablito, Thomas, Fèvre, Kalimuendo, Thomas qui va lancer en profondeur, mais ça va être repris. Hein. Ouais, Boidu, il a un peu de mal à trouver sa place, pourtant, encore une fois, hein, je sais que vous ne l'avez pas vu dans les matchs de préparation, mais il était sacrément bon. Hein. Je pensais avoir fait l'achat du siècle, mais je pensais à chaque fois que j'achète un attaquant, il est bon le premier match ou le deuxième match, et puis après, c'est moyen, quoi. Attention, Maffeo au côté droit qui va centrer vers Titouan Thomas, la frappe s'est contrée, Sabori, vers Ajorc, longue ouverture, récupération Vogel. Boadu pour Kalimuendo qui va lancer Romain Fèvre et ça va être un corner. Bon tac de Sissoko là pour stopper l'action. Titouan Thomas le corner. Dégagement Sissoko. Ça va être une touche. Titouan Thomas qui se fait reprendre par Lovric. Sabori. Rodrigo Bicao. Thomasson. Lovric. Ça essaie de relancer propre. Ça relance très propre même. Sabori. Lovric. Sous pression. Tire en retrait à Bicao. Sabori. Bekao, là, qui regarde bien la procession, les Strasbourgeois, il ouvre sur le côté opposé. Sidibé. Platin. Prisic. Diallo, qui avait trouvé Sidibé qui est pas hors jeu. Le centre, et ça va faire but. Eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui. Là, je veux dire, c'est flagrant quand même. On voit notre problème défensif, là, vous allez voir. Alors, déjà là, notre ami. Dans son dos, et notre ami ici qui couvre. Là, on le voit le problème, il est assez clair. Bon, là, normalement, c'est pas encore mort, parce que il suffirait que notre ami ici, vu qu'il couvrait, il rattrape son retard. Bon, ben non, il le rattrapera pas. Il le rattrapera jamais, et ça fait 1-0 pour Strasbourg. Bon, ben écoutez, je sais pas quoi vous dire. Hein. Je sais pas quoi vous dire, on va critiquer la prestation là. Boidu, Cacré, Mendes, Fèvre, Disasi, Loukeba, Fèvre, Cacré, Boidu, ça joue en une touche, c'est pas mal, mais ça va être long, ça va être long, ça va être très long. Ouais, non, là c'est pas fameux, c'est pas fameux, il va y avoir des changements à la mi-temps évidemment là pour corriger un petit peu tout ça parce que là c'est vraiment pas fou. Sabori. Ouais, Sabori qui progresse là, ça manque du pressing, les gars. Deuxième poteau, l'arrêt Keller. Ouais, mais là, mais les gars, attendez. Quelque chose qui va pas. Quelque chose qui me dérange hein, au plus haut point. Tactiquement.
J'ai l'impression que ça défend pas assez. Donc, Sfèvre, on va le mettre sur Sidibé. Et j'ai oublié de te changer à renard des surfaces, toi. Et Boadu, on va le mettre sur Sabori, que j'entends un petit peu trop et que j'aimerais un peu moins entendre. Le corner strasbourgeois, tiré par Plata, dégagement premier poteau de Boadu. C'est pas fini, ça va revenir Sabori. Plata, c'est contré. Thomasson, Prisic, Lovric. Attention les gars, faut fermer les espaces là. Contré, Boadu, Maffeo, ça va dégager. Hein. Le coup franc, pardon. L'arrêt de Keller. On va essayer de passer en l'offensif. Dissasi, Keller, Loukeba, Mendes, Loukeba, Dissasi, Keller. Long dégagement. La tête de Boadu, super. Kalimuendo, Fèvre. Ouverture vers Vogel. Vogel côté gauche. Le centre de Vogel, il n'y a personne. Ça va être pris par Maffeo. Maffeo. Titouan Thomas, Maffeo, le centre. Vers Vogel. La frappe, c'est contré. Et ça va être tranquillement capté par Camara. Ouais. Attention, le coup franc strasbourgeois. Sissoko la tête. Ouh, sur le cadre. On a eu de la chance. Deuxième chance pour Strasbourg. Lovric. Vers Sidibé. Sissoko. Prisic, Lovric, Prisic, Sidibé, côté droit, le centre vers Ajorque à côté. Mais on se fait vraiment dominer dans le domaine aérien là. C'est assez pitoyable. Keller, Castello, Keba vers Vogel, Cacré, longue ouverture vers Kalimuendo, ça va être long. Bekao, Camara, Saborit. Il y avait un gros hors-jeu là, mais. Mais voilà, juste comme ça, je le dis. Au cas où l'arbitre veut bien siffler. Thomas. Vers Cacré, Boadu, Vogel. Le centre va être contré par Sidibé. Deuxième chance peut-être. Cacré. Thomas. Mendes. Thomas. Il y a hors-jeu de Boadu. Ouais. On va encourager un peu. Alors je. Vogel, Mendes, Fèvre, Cacré, le centre, deuxième pote et le but de Titouan Thomas sur cette inspiration du Andrés Iniesta français. Maxence Cacré, un partout, égalisation. Alors Vogel qui a trouvé Mendes, qui a remis à Fèvre, Fèvre qui a trouvé. Cacré, longue ouverture, deuxième poteau, Thomas là, il ne pouvait pas la rater celle-ci. Hein. Un partout, égalisation, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va féliciter parce que ça a quand même bien joué hein, cette première mi-temps. Donc c'est positif. Sissoko, Sidibé, Prisic, sauf défensivement peut-être, où là c'est vrai qu'on était faible. Attention à la touche strasbourgeoise, Sabori avec Lovric. Sabori, Thomasson, Lovric, Thomasson, Sabori, Thomasson, Prisic, Sabori, Thomasson. Attendez, c'est bien. Ok, Titouan Thomas. Bien contré. Et il va reprendre peut-être. Dégagement, Cacré. Ça va être repris là par Kalimuendo, Boadu. Ouais, pourquoi pas là sur un contre? Pourquoi pas? Vogel. Ça va temporiser un peu, Cacré. Ouais, super. Vers Titouan Thomas. Ouf sur le côté, Maffeo. Kalimuendo. Romain Fèvre. Non, Romain Fèvre. Aïe, aïe, aïe. Quelle horreur cette frappe. Fèvre, la finition, mais c'est une catastrophe interplanétaire, quoi. Oh, attention. Plata. Sidibé. Sidibé. Toujours bien pris par Fèvre. Superbe. Mais en fait, pas tant superbe parce qu'il réussit à centrer Lovric, l'arrêt de Keller. Sissoko, Sidibé, Sidibé, ouais, il nous embête hein, ce Sidibé, c'est pas vrai. Toujours à déborder, toujours à chat, en tout cas, à nous embêter là. L'arrêt Keller qui s'impose. Et c'est la mi-temps, ça va, c'est vrai que c'est un bon match quand même. Hein. On a, je pense, eu les meilleures occasions.
Mais Strasbourg est dangereux. Strasbourg est quand même dangereux. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. On va leur dire. Voilà, on va leur dire les poings serrés. Voilà, pensez aux fans, les gars. Pensez à tous ces Lyonnais qui sont venus nous voir. On va peut-être sortir Loukeba avant que ça finisse mal. On voit qu'il est un peu en difficulté. Le petit Castello. Et puis, je vais probablement sortir aussi l'amigo Kalimuendo parce que il est transparent. Il est transparent. C'est Casper. Et c'est pas Casper Dolberg, c'est juste Casper. C'est assez triste. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, ici. Je vais jusque l'adjoint mettre à jour les consignes particulières. Et puis, ma foi, sinon, on est parti. Deuxième mi-temps. Fèvre, Disasi, Cacré, Fèvre, Diomandé, Mendes, Diomandé, Soin Thomas, Fèvre, qui a essayé de chercher Dembélé, Sidibé, fin du temps fort. On va peut-être revenir en positif plutôt qu'offensif, là on va être un peu plus patient à la construction de notre éventuel succès. Diomandé, Verkelleher, Disasi, Cacré. Ouh, je savais que ça allait arriver! Je savais que ça allait arriver, les gars, et ça va se concentrer très rapidement là parce qu'on n'est pas là pour faire des erreurs comme ça là, les gars. Surtout pas Max Cacré qui est censé être expérimenté. C'est pas à lui de faire ce genre d'erreur là. Si Tito Thomas le fait, je peux rien dire. C'est sa première saison complète en pro, mais là, je veux dire en première division, mais là, Cacré, je peux pas l'accepter. Donc concentrez-vous, les gars. Maffeo, Mendes, Maffeo, Diomandé, Maffeo, on a du mal à relancer. Hein. Diomandé, Kelleher, Disasi, Kelleher. Aïe, 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 aïe. C'est pas vrai, ça. Fèvre. Voilà, dès qu'on a passé leur premier rideau de pressing, ça va. Mais après, avant ça, en fait, on est. Oh oui, Moussa Dembélé, ça il va aller la mettre parce que c'est vraiment le meilleur attaquant de Ligue 1. Moussa Dembélé. Voilà. Excellent, les gars. Écoutez, on va peut-être ralentir léger le rythme. Gagner un peu plus de temps. Voilà. Je sais, il y a juste un but à zéro, mais je le sens bien. J'ai l'inspiration, vous inquiétez pas. Lovric, Ajorc. Puis je dis ça, puis ça se trouve, on l'encaisse sur l'action d'après. Ce serait pas surprenant. Vogel. Ouh, attention. Dagba. Diallo. Platin. Prisic, Sissoko, longue ouverture. Et Ajorc qui gagne son duel de la tête comme d'hab. Saborit le centre. Diallo qui est tout seul, l'arrêt de Kelleher. Carton jaune, attention le coup franc tiré par Romain Fèvre, deuxième poteau bois du Tito Thomas. C'est pas fini, Romain Fèvre. Le centre, Diomandé qui va être repris et ça va être envoyé en corner par un Strasbourgeois. Le corner, Tito Thomas, deuxième poteau. Et c'est dégagé par les Strasbourgeois encore. Kelleher, Diomandé, Mendes. Kelleher, Disasi, Kelleher, Disasi. Vogel, Cacré, Dembélé, oh oui Dembélé là il est d'humeur dribbleuse mais il perd la balle là. Récupération Cacré qui remet à Boisdu, ah, dommage. Attention le coup franc Strasbourgeois Lovric, Diallo, l'arrêt de Keller, oh là là, mais attention il y avait en jeu mais qui a l'arrêt de Keller. On va demander un peu plus, les gars. On va demander un peu plus. Diomandé, Mendes, Diomandé, Disasi, Cacré, Dembélé, Fèvre, Tito Thomas qui va lancer Dembélé. Super passe. Dembélé, Vogel, arrêt de Camara. Quelle action de Dembélé quand même. Il leur fait mal. Hein. Il leur fait mal. On voit la différence hein, avec Kalimuendo. Corner de Thomas. Dégagement de Diallo. Thomas qui va tranquillement reprendre avec Diomandé.
Maffeo. Maffeo. Oh, la passe de. Maffeo. Et ouais, c'était ce qu'il fallait faire, Tito Thomas. Là, on était dépassé. Faute intelligente. Sabri. Avec Ajorque. Lovric. Diallo. Ouh, la belle inspiration, mais ça passera loin. Fort heureusement. Diomandé. Maffeo. Tito Thomas. Diomandé. Tito Thomas. Thiago Mendes, Diomandé, Kelleher, Disasi, Mendes, Fèvre, Cacré. Ouais, ça va perdre la balle, ça. Faut jouer au sol, les gars. On est meilleur qu'eux au sol, mais dans les airs, on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau, les gars. Sont beaucoup plus athlétiques que nous, donc forcément, on va souffrir. Et Cacré, c'est vrai. Attendez, il revient de blessure, là, on va le changer. Je vais le changer par Florent Da Silva, tiens, à qui on va donner un petit peu de temps de jeu. Et c'est parti pour le show. Dagba. Dangereux ça, mais il est confiant. Il est confiant. Dembélé, Tito Thomas, Mendes qui a trouvé Da Silva, Vogel. Ouais, 15 pigeons de décédés sur cette frappe là, c'est assez incroyable. Ouais, je pense qu'on peut rester comme ça. Puis on va juste leur dire de se concentrer pour pas qu'ils fassent de folie. Dégagement de Camara. Tête de Disasi, Vogel. Qui a fait un match honnête, honnêtement, Vogel. J'ai trouvé. Oh, la belle passe de Da Silva pour Dembélé, Boadu. Ah, Boadu, faut finir ça, faut finir, mon ami. C'est un scandale. Dagba. Diallo. Dagba. Prisic. Plata. En profondeur pour Diallo. Plata. Diallo, le centre, l'arrêt de Kelleher. Thomasson, Prisic, Sissoko, Thomasson, Bekao, Sissoko, Bekao, Diomande, Thomas, Mendes, Disasi, Da Silva. Je me vois à chaque fois pourquoi c'est Sanchez qui est affiché, mais ça doit être un de ses autres noms de famille. Boadu en profondeur. Il va attendre un peu de soutien. Avec Maffeo, ça vient. Tito Thomas, le double. Le double. Magnifique. Magnifique. Ah, ça, c'est un beau but, ça, quand même. Boadu bien lancé en profondeur. Qui va revenir en arrière vers Maffeo? Maffeo pour Tito Thomas. Frappe puissante. Rien à dire. Rien à dire. La jeunesse lyonnaise. La jeunesse lyonnaise. La jeunesse lyonnaise. Diomandé. Boadu la tête. Fèvre. 4 Dembélé qui essaie de lancer Boadu, mais ça va être repris. Et ça sera en touche finalement pour nous. Maffeo, Boadu, Fèvre. Fèvre qui va lancer Boadu. Côté droit, le centre. Ça va être repris par la défense strasbourgeoise. Bekao, mais c'est repris par Mendes. Fèvre, Thomas, Da Silva, Mendes, Da Silva, Fèvre. Mendes, oh la perte de balle de Thiago Mendes, aïe 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 aïe. Vogel, Mendes, Da Silva, Fèvre, Mendes, Da Silva, Mendes, Dembélé, Da Silva qui va trouver, excusez-moi, je suis totalement perdu, Vogel, Vogel, Fèvre, c'est au-dessus de la part de Rominou, aïe aïe aïe. Aïe 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 quand même. Mais ça va, on risque de passer une fin de match un peu plus tranquille quand même, j'espère. Motiba. Thomasson. Motiba. Dégagement Disasi, super. De toute façon, il y avait hors-jeu, donc. Donc voilà. Thomas qui a fait un match incroyable, même si cette passe est horrible. Et on va se diriger vers la fin de match là. Bon, Sabori, voilà, il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il sent, il fait ce qu'il machin. Attention.
Attention, attention, attention. Boadu. Oh, pourquoi pas Dembélé, allez, ajoutez-le. Nah. Pas là-dessus, en tout cas. Et attention, oh non, c'est bon, ok, c'est bon. Fèvre. J'ai hâte que le match se termine là. Ça serait quand même bien de battre notre bête noire. Ça nous arrive pas souvent. Hein. Bon, quoique on a battu le PSG aussi cette saison. Hein. Donc c'est peut-être la saison où on en termine avec les bêtes noires. Attention, Fèvre, pourquoi pas qu'il lance Dembélé, mais c'est long, mon ami, c'est long, Fèvre. Et c'est fini. Et c'est une victoire bien méritée là. De la part, bah, de notre part. Avec un gros match de Thomas. C'est sûr que ça s'est plus débloqué en deuxième mi-temps, hein, parce que en première on a un petit peu galéré, mais écoutez, il faut ce qu'il faut. Voilà, on va les féliciter. C'est une majorité de remplaçants, ils ont quand même été honnêtes. Donc voilà. On va envoyer l'adjoint, voilà, je pense que quand même c'est bien. Très bonne chose. Je suis vraiment content parce que quand même j'étais un peu inquiet, hein, je vais pas mentir, hein, Strasbourg, il y a eu des traumatismes l'année dernière, hein, on peut le dire, donc voilà, ça fait du bien. 1 million, nanana, ok, félicité pour sa prestation, petite accolade, je suis très content, il a fait un excellent match, on va même envoyer l'adjoint à la conférence de presse, on se permet des libertés, on est comme ça, on est comme ça. Donc, ma foi, bah écoutez, je vais avancer un peu là, mais ouais, comme je l'ai dit au début, épisode plus court avec un seul match. Ouais, parce que j'ai des choses à faire, hein. Là, c'est pour ça que je tourne un peu rapidement. Mais oui, on va revenir à une formule un peu plus classique, hein, pour les prochains épisodes, ne vous inquiétez pas. On prendra bien de l'argent de Tottenham avec grand plaisir. Et donc voilà, deux prochains matchs donc à venir dans le prochain épisode. Montpellier et Leipzig, donc très important. Et puis vous voyez, hein, l'épisode encore après, ça va être une folie furieuse avec un Olympico et un match face au Milan AC pour clôturer cette campagne de groupe de Champions League. En attendant, à l'épisode d'avant, on en saura un peu plus, hein, de savoir si on va réussir à accrocher la deuxième ou la troisième place, donc ça va être très intéressant à suivre. Donc je vous invite à ne pas arrêter ça. Mais d'ici là, on va clôturer cet épisode. C'était Kimperio, je vous remercie d'avoir regardé et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao!